je suis chez les pompiers. Donc je montre pas trop, voilà, c'est comme ça. Mais je suis même moi choqué. Mais moi je mens pas. Puisque mes pads à mémoire de forme, j'ai pas voulu poncer trop l'optique. Donc depuis tout à l'heure, je fais des expériences, je vais vous montrer. Hop, je vais faire ça. Et voilà. Donc bien sûr, il me demandait de faire ça, on sait très bien que ça, en 2 minutes, c'était fait. Bien sûr. Là, c'est redonner de la couleur sur un rouge. Là, le pad, hein, on est comme ça. Je l'ai fait avec le pad blanc et noir, bien sûr. Ensuite, ils m'ont passé leur polisseuse. Donc là, je lui ai fait le color plastique, donc on le sait très bien. Ils sont étonnés, hein, franchement. Chérie, tu peux me tenir le portable? Allez, je fais sans vitesse. Alors, oui, je montre l'optique avant. Ça, c'est le avant. Et j'ai passé 1 minute. Je peux même pas dire 2 minutes, j'ai fait en 1 minute. Hein, comment je t'appelle, Laurent? Pierre. Pierre. Pierre, j'ai fait. Alors, on va pas calculer le temps, mais je l'ai fait en 1 minute. Ouais. Parce que j'ose pas la faire tourner trop, celle-là. T'es d'accord? Parce que c'est avec la bousse, hein, c'est pas la mienne. Hein. Nickel. Alors, il faut que j'explique aussi aux gens pourquoi il y a 2 pads. Parce que là, c'est pas normal, ça. Tu peux me tenir bien le portable? Comme il a mémoire de forme. Je viens m'en servir un instant. Tu vas montrer? Alors, je n'y peux rien, c'est un bricolage qu'ils ont fait. Non, tu m'as dit que c'était d'origine. Oui. Alors là, j'ai jamais vu ça. Vous l'avez eu comme ça? Oui, on l'a eu neuf. Donc, neuf avec. Bon, moi, c'est pas mon histoire. Moi, j'aimerais bien un plateau que je donnerai à Raph. Je t'en donne rien. On sera mieux, tu verras. C'est le même pas de vis. 14, je crois. Donc, c'est un pad. Je n'y peux rien. Et avec ça dessus, bon, je remets ça dessus. Moi, c'est pas à moi. Moi, je travaille avec vos outils. Comme ça, vous êtes obligé d'acheter une polisseuse. Sinon, après, pour les voitures, il faudra une orbitale excentrique. Parce que ça, c'est dangereux. On va protéger les plastiques, j'ai oublié ça. Parce que si je ne le fais pas, on va m'assassiner. Allez, je protège ça vite fait. À la limite, j'ai pas envie. Parce qu'en fait, tu devrais le polir, on est d'accord? Tu vas le polir ton truc. Alors, ça ne servira à rien. Le camion, hein, c'est un camion. Je dis ton truc, c'est un camion. C'est un camion. Donc, t'es prêt? Tu files bien. Oh oh. Oui. Alors, non, je tourne pas vite. Je tourne pas vite parce que c'est avec la bousse. C'est pas ma polisseuse. Il était rayé, hein. Mon pas d'un mémoire de forme. Même pas vite, imaginez. Parce que c'est un pad 1 minute et en 1 minute c'est fait. Mais non, mais je suis obligé, c'est trop beau les gars. Vous voyez bien que c'est beau, non? J'ai même pas fait le Madwax. C'est le Madwax ou pas? Non, c'est que la plastique là. Imagine, tu mets le Madwax. Oui, parce qu'après il faut la protection du Madwax. Et là, on est vraiment nickel. Vous vous rendez compte? Non, mais là, tous les pompiers doivent avoir mon produit, c'est obligatoire, c'est obligé, je trouve. À mon avis, moi, je pense. Imaginez, alors oui, alors après, tu pourrais me chercher l'échelle, ce que je suis obligé de nettoyer celui-là. Moi, j'aime pas, c'est. Faut que je le fasse, hein. Regarde, c'est moi qui le fais en plus. Et là, c'est obligé que tout le monde dise, eh, il y a eu un truc bizarre. Voilà. Hop, voilà. Donc, une pour le passer, une pour les suivants, c'est très bien. Là, je fais l'autre côté. Voilà, comme ça, là, moi, je suis sûr que je suis beau. Filme-la bien, filme-la bien. Va me chercher Gracius. Je vais essayer de faire avec une microfibre jaune. Un petit coucou à Laurent de Audric, pompier d'Audric, mon sauveur. Laurent, il va toujours encore. Je suis sûr qu'il est encore ça. Il a une Audi A4. Ouais, Laurent, je sais pas. Mais... De quoi? Ah ouais. Oh là là.
Et il y a un mec qui fait le ménage, là, c'est chez vous. Il faut que j'y donne des bons produits. Il faut que j'y donne une bombe comme ça, lui. Alors, j'ai jamais essayé ma microfibre, on est d'accord, celle-là. Puisque je fais tellement de choses que j'ai oublié mes microfibres, on est d'accord. Ouais, bah, je vais pas te dire que c'est toi qui l'as oublié, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de prendre une microfibre jaune. Je ne sais honnêtement pas, peut-être que ça fonctionne, mais j'y crois pas. C'est important. Comment je dois filmer ça? Tu veux filmer ça? Non, celui-là, c'est Maddox. Maddox, ça? Maddox, ça. Ok, c'est bon. Alors, je vais prendre celle-là. Oh, pardon, pardon. Oui, parce que si je prends le machin gras de, du produit, ça ne va pas le faire. Ça me dérange pas. Tu peux me filmer, mais que ça soit bien. Non, mais non, tu peux filmer là, on s'en fout. On les voit. Ah, d'accord, oui. Alors, filme là-haut. Donc, ben, bien sûr. C'est la bombe, elle sera rouge pour les pompes. Non, non, c'est normal. Hein. Je vais pas faire une bombe rouge. Donc, ben là, je... Alors, j'essaie la microfibre. Là, c'est du hasard. Hein. Va me chercher une bleue quand même. Une bleue, mais c'était les bleus de Daniel. Allez, c'est parti. Ça n'a jamais été fait, je crois, c'est ça? Jamais. Donc, ça fait combien d'années que c'est là? Depuis qu'ils ont fait. Juste pour savoir. Donc, là, je vais venir voir. Ça compte? Non, c'est ça que ça arrive. Ah, 15 ans. 15 ans, et ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été faits? 16 ans que ça n'a pas été fait. Imagine, ça agit là. 16 ans, mon gars. Et c'est le chef qu'on vient de le dire. Imaginez, tu dis que ça fait 16 ans que ça n'a pas été fait. Il y a même du gras dessus. J'ai du gras dessus. Je sais pas, la vidéo est là, non? J'ai du gras. Parce que ça fait 16 ans, les gars. Il a fallu que je passe par là pour vous mettre les bobites. Non, mais c'est quand même pas mal. Tu vas te raser maintenant. 16 ans. Hey, 16 ans, il l'a dit, c'est le chef en vie, il ment pas. Hein. Bon, ben moi, je suis heureux, les gars. Alors, je le fais une deuxième fois parce que ça fait quand même 16 ans. Alors, j'ai envie qu'elle soit bien dégraissée de malade. Même si c'est propre, là. Voilà. C'est vraiment magique. C'est une tornade. Oh, je vais arriver à trouver le nom. C'est toi qui m'as dit tornade. T'as vu, ça me revient aussi. Alors, c'était pas celle-là non plus, c'est les autres microfibres. Je t'en veux pas. Ouais, mais moi je t'en veux. Mais non, mais c'est pas grave. C'est magique. Bah, je devrais l'appeler magique, je sais pas moi. Il y a un truc quoi. Gigi. Je suis rien moi. Pas de trace. J'essaie d'essuyer quelque chose, mais il n'y en a pas. Vous imaginez ou pas? Vous voyez ou pas les gars? Même j'en reviens pas. Quoi d'autre? Couleur plastique? Qu'est-ce que je dois. Ben, les vitres de. Pimpon. Oui, j'ai marqué Pimpon en titre. Après je peux tout faire en fait. Hein? On a fait la vitre de voiture aussi. Moi, je peux tout faire. Dis-moi ce que tu voudrais quand je nettoie. Le scénario. Oui, montre-moi. Alors attention, là on est dans un plastique. Hein, attention, hein, c'est du plastique. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est peint ou pas, tu vois? Non, alors, oui. Je vais regarder. C'est peint, ça, ouais, tu penses? Il y a un vernis métal dedans. Ouais, ouais. Alors, bon, bah, je vais. Alors, tu sais quoi? C'est. Oui, voilà. Allez, je vais essayer. Tu peux me filmer? Bien, chérie. Tu me filmes là, regarde. Tu fais ça, j'essaye, on verra ce que ça donne. Vas-y. Ah non! Tu filmes bien là aussi, hein, d'accord? Ouais. En plus, c'est sa polisseuse, je l'aime pas quoi. Parce qu'elle est bien, mais pas pour ça. Ça, c'est une. Attention, ça va être la mousse. Alors, ouais, mais je vais la tourner doucement. Tu vois la différence avec la mienne? C'est que ça éclaire doucement. Bon, c'est pas grave, j'essaie de faire doucement.
C'est sûr que tu me le donnes dans mon garage, tu repars, il est tout neuf. Hein. Parce que moi j'ai des lampes, j'ai tout ça. Là on est ici. Hein. Puis j'ai pas les cartes en main, c'est pas bon pour les choses. Je fais la chaîne. Mais déjà, si on peut regarder que une panique en fibre là, on va prendre celle-là. Alors j'ai pas trop hein, les bons trucs là. Regarde déjà, on était déjà bien. Hein. Regarde comment il ressort ton machin. T'as vu? Et on est pas mal. Après, moi, il faut que j'analyse, savoir ce que c'est. Parce que moi, j'aime bien pas faire n'importe quoi. Pas me griller en direct. S'il fallait les enlever, ouais. Mais j'analyse, j'ai ma lampe et tout ça. Mais regarde déjà la différence. Tu vois hein. Mais après, moi, comme je t'ai dit, il faut que j'analyse. Hein. C'est pas une carrosserie. Il faut que je sache si c'est un vernis, teinté dans la masse. Il y a tellement de choses, de critères qu'il faut savoir. Là, on parle d'un jet ski. Là. C'est un jet ski. Hein. Et ça, je le saurais, mais il faut que je l'analyse un petit peu, tu vois. Parce que c'est pas du vernis, une peinture normale. Mais c'est déjà beau, tu vois. Bah, tu vas déjà le rendre bien. Hein. Là, tiens-moi bien, s'il te plaît. Je ne sais pas du tout. Là, c'est quand même de l'autocollant. Est-ce que c'est terni ou pas? J'analyse. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'aimerais tellement. Je ne vais pas faire des bêtises. On va tourner tout doucement. Je sais pas si c'est terni. Je prends. Allez, on va dire que je garde le pas de là. Parce que normalement, il est orange, vachement profond, à la base. Et là, il a terni comme ça. Peut-être qu'un autocollant covering. Ça fait ça. Mais après, attention, je fais du covering là bientôt. Je me relance dans le covering. Demain, vous le revoulez, je refais zéro défaut. Et à un prix imbattable, hein, je vous le dis direct. Donc ça, je peux le refaire en covering. Pas de problème, je peux faire tout. Hein. Je peux tout faire. Donc, ben non, quand l'autocollant est passé, ben apparemment, c'est pas une peinture, tu vois. Ça revient quand même, un petit peu. Faut voir en fait. Après j'ai des éponges pour là, je sais pas la couleur que c'est. Je vais vous montrer pour l'éponge. Tout ce qui se passe en fait, ce serait ça. Je peux montrer. Tiens, viens voir, s'il te plaît. Approche-toi, regarde. Ça sert à filmer trop fort, tu le mets là. Il était pas là. Non, je sais. Je regarde s'il y a une différence de teinte. Hein. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas trop la matière. Peut-être qu'avec l'eau, c'est propre d'origine. Je veux bien le croire parce qu'il y a d'eau tout le temps. Donc c'est possible, hein, parce que je trouve que c'est propre d'origine. Parce que des fois, ça fait un peu comme tout ce que je fais. Hein. Je ne pense pas, non, tu vois. Là, je m'en doutais, hein, tu vois. Rien qu'en le faisant, là, il y a... ça se voit pas trop, en fait. Parce que justement, l'eau, vous savez, va dessus hein, et c'est toujours propre. Ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas grave, ça n'a pas choqué comme d'habitude. Mais en tous les cas, regarde, tu peux te choquer avec ça. Regarde, là, c'est choquant. Donc, quand je vois, je vois. Et là, je fais ça. Et là, tu vas enlever toutes les traces. Déjà, la remarque, elle serait belle. Ou pas. Ça, hop.
Non, ça va. Bon, après, je ferai un petit coup de polissage. Hein, parce que pour enlever tout ça, là. Ça, là, je suis d'accord. Tu vois. Oui, parce que mon truc, est, toi, tu les plastiques que tu n'arriverais pas à nettoyer. Avec l'éponge. Là, on sait que tu as le 4K. Ben, autant rendre les choses belles, moi, je trouve. Hein. Alors, bien sûr, ouais, on s'écarte. Je fais peur avec ma policeuse, moi. Voilà. Tu vois comment tu vas arriver à tout avoir. Regarde, allez, hop. Grâce à moi, ce sera propre ici. Bah, propre. Grâce à mes produits, là, je dis. Hein. Parce que s'il n'y avait pas mes produits, imaginez que quand je fais un hôtel, le patron de l'hôtel, il me dit, c'est pas que c'est pas bien vos produits. Et là, on croirait que mon hôtel, il écrase. J'en suis là, là. Alors maintenant, je suis obligé de ne pas montrer, mais je suis avec le patron. Je filme pas comme ça, attention, jamais de la vie. Hein. Ah là, c'est en 2 secondes, quoi. Bon, allez, en 2 secondes, allez. Je suis obligé de le faire. Hein. Je peux pas m'arrêter, moi. Allez. Je fais la moitié, comme ça fera une tâche propre. Moi, je pense que s'il n'y avait pas le virus, j'aurais pu faire des belles choses. Hein. Mais comment on va se nourrir avec le virus, ça va ? On est dans la merde. Il n'y a que ça qui me freine maintenant. C'est tellement plus beau et plus présentable, franchement. Laurent, c'est Laurent ? Pierre. Presque. Il est bien. Bah oui. Donc voilà, déjà, donc on est bien. Christelle. Christelle. Bon, Lydie, on peut gagner bien ou pas ? Bien. C'est hallucinant. Parce que oui, alors filme-moi moi. Bien sûr que quand je les vois, ils ont des lunettes, je dis déjà, je vais vous redonner la vue. Et là, c'était étonnant. Hein ouais. Franchement. Produit lunettes, les gars. C'est Fabien qu'il faut les voir, 27e. Qu'est-ce que je peux encore vous dire, moi? Je vous ai tout montré. Je crois. Pour les plastiques, tout. Ben, en fait, tout est bon. Alors après, j'ai la gamme aussi Koala. J'ai la gamme Koala aussi, alors pour laver par terre. Ça sentirait bon, mais longtemps. Puis ça dégraisse bien. Le Laurent m'a même dit, mais ça je peux pas le dire. Je dis, attends, les gens ils vont croire que c'est pour vendre mon produit. Non, il y a un agent dedans qui est pire que l'eau de Javel, parce qu'il y a le virus et ça balaye le virus. Je dis, mais si je dis ça à moi devant la caméra, c'était ce matin. Hein. Je dis, Laurent, non, ça voudrait dire qu'on voudrait vendre. Mais non, c'est vrai. Il m'a dit, bah, je te donnerai la notification, la fiche technique, il y a un truc dedans qu'il faut désinfecter. Voilà, ça je le dirai. Et après, apparemment, on va comparer avec les autres. Et pour justement, parce qu'il y a le gel, parce qu'on fait le gel aussi, nous. Hein, et bien, dedans, il y a ça. Il y a une histoire pour désinfecter. Moi, j'ai vu une vidéo, et c'est pour ça que je parle du truc là. Sur Internet, il y a un gars qui s'est fait gauler à l'arrêt de bus. Et parce que moi, je n'aurais pas les infos, tout ça. Il est carrément, pas à l'arrêt de bus, il est dans un bus. Il a un masque. Métro. Dans le métro, voilà. C'est une vidéo qui tourne dans Facebook. Et il est en train de faire ça, il met ça sur les barres et tout ça. Oui. Je suis dégoûté. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu. Non, mais là, voilà, je parle de ça parce qu'on était dans la voiture. Moi, je regarde pas la télé, là, du tout. Mais moi, je suis Paris, tac, demain, je retourne à Paris. Bon, ben, en voyant ça, moi, je me dis, putain, ça craint, là. Moi, je trouve que là, ça craint. Elle m'a montré au Congo, je sais pas quoi. Au Sénégal. Au Sénégal, non, mais je sais pas. Et ben, t'as des gens, alors, est-ce que c'est vrai tout ça? Je sais pas. Ils sont par terre en train de, genre, de mourir, hein, je crois. Parce que ça, elle tourne sur Facebook, tu l'as montré tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas les mêmes Facebook. Toi, tu as le Facebook Cameroun et tout ça, moi je ne l'ai pas. Comment ça, Cameroun, c'est partout. Bah, je ne l'ai pas sur mon Facebook. Donc, toi, tu as ta filiale de. Hey, c'est Facebook, c'est. Non, mais ça fait peur. Moi, je ne sais pas ce que c'est l'histoire-là, mais ça fait peur. Donc, bah, voilà, c'était pour la petite démo. Donc, tous les pompiers, je peux venir. Hein. Vous inquiétez pas. On est les tarifs professionnels. Il y a 20% en plus pour les pompiers. Donc, pour la police, la gendarmerie et tout ça, on a toujours dit. Hein. Ça a toujours été fait. Laurent, un petit coucou. Et comme j'ai toujours fin de citation, parce que là. Le fin de citation, tu fais comme d'habitude, comme j'ai toujours. Fin de citation.